Les pièces du puzzle sont réunies, mais le puzzle n'est pas encore constitué. Mais on essaye petit à petit d'assembler les différents morceaux du puzzle. Là, le ministre vient de faire une réunion de point de situation avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour voir où se situe l'équilibre du texte, quels sont les points encore de blocage, les pays qu'il faut convaincre, les pays qui sont encore réticents, et au contraire, ceux qui sont dans une dynamique positive pour qu'on arrive à cet accord. Je suis surtout en train de réfléchir en ce moment à ce qui va se passer aujourd'hui et dans les jours qui viennent pour essayer de faire de la COP21 un grand succès. Bon, l'émotion viendra après. Maintenant, on entre dans la période où on va négocier sur le fond pour avoir un texte d'accord mondial. Cette COP21, ce n'est pas simplement la COP des intentions et des principes. La COP21 va être un succès. Parce que c'est aussi la COP de l'action. Bonjour. Avec le président de la COP et ceux qui ont travaillé, vous dire combien nous étions reconnaissants de l'engagement qui a été le vôtre depuis, je n'ose pas dire combien de temps. Alors ce qui m'intéresserait, c'est de savoir où en sommes-nous vraiment et qu'est-ce qui a été produit grâce à cette première semaine de négociation. Ce dont nous discutons, ce n'est pas simplement l'environnement, ce n'est pas simplement le climat, c'est la vie. Comme vous tous, j'ai une expérience assez large de la vie publique. Mais cette fois-ci, il s'agit de quelque chose de tout à fait particulier. Cet accord, nous ne pouvons pas le remettre à demain. Moi, j'entends mettre l'expérience de toute ma vie au service de la réussite vendredi prochain. Et je considère qu'il n'y a pas d'un côté la présidence et de l'autre côté vous-même, mais que nous sommes tous attelés à la même tâche. Et que cette tâche, nous devons la réussir. Merci.